Camilla Parley Bowles est devenue la reine consort. La femme du roi Charles III pourrait avoir un nouveau titre dans le futur. Si le roi meurt avant elle, la reine Camilla héritera d'un titre peu connu. Avec la mort d'Elisabeth II en septembre 2022 et le couronnement du roi Charles III en mai 2023, Camilla Parker Bowles s'est vue remettre un nouveau titre prestigieux. En effet, l'ancienne duchesse de Cornouailles est devenue reine consort, connue sous le nom de reine Camilla. Un titre important qui avait été approuvé par la reine Elisabeth II. En février 2022, celle-ci avait ainsi exprimé son souhait sincère de voir Camilla devenir reine consort. Le titre de reine consort permet à la reine Camilla d'avoir son destin lié par les titres à celui du roi Charles III. Elle ne partage cependant pas la souveraineté du monarque, ni son pouvoir militaire de chef des armées. Le titre de reine consort avait auparavant été attribué à Elisabeth Bowes-Lyon, la femme du roi George VI et mère de la reine Elisabeth II. Celle-ci était ensuite devenue reine-mère après la mort de son mari. La reine Camilla ne deviendra pas reine-mère dans le futur dans le cas où le prince William serait amené à monter sur le trône pour devenir roi, le titre de la reine Camilla évoluerait. En effet, si c'est Kate Middleton qui devrait à son tour devenir la reine consort. Si Charles III meurt avant sa femme, celle-ci ne deviendra pas reine-mère, comme le veut la coutume. En effet, ce titre est attribué à la mère du souverain et le prince William n'est pas son fils. La reine Camilla devrait donc prendre le titre de reine douairière. Ce titre est attribué à la veuve du roi et ne confère aucun pouvoir de souverain sur le peuple britannique. Comme l'a rapporté le Mirror, si est la reine Adélaïde, la veuve de Guillaume IV qui avait porté ce titre pour la première fois, n'ayant donné aucun enfant légitime au roi d'Angleterre. Dans un futur lointain, Kate Middleton pourrait cependant hériter du titre de reine-mère, puisque son fils, le prince George, devrait être proclamé roi. À propos de l'auteur passionné de faits divers et de royauté, j'écris sur Closer depuis 2021. Je suis également une grande fan de séries et une amoureuse des reportages autour du monde. Ces derniers articles et Laurent Romejko, âge, femme, salaire, origine. Tout savoir Charlie Bruno, qui est Jean-Baptiste Pouillou, son compagnon, Claude François, Christophe, Salvatore Adamo, Eddie Murphy, Chuck Norris. Ces stars qui ont eu un. I've